tout le monde! Allô! Alors, je suis avec Frankie, que vous avez vu dans les vlogs de New York. Et on va faire une vidéo assez spéciale. Frankie, peux-tu expliquer ce qu'on va faire? Oui! Aujourd'hui, on va faire je fouille dans les tiroirs à MP et je mets le bordel. Non! Je vais devoir faire 4 outfits à MP. Et MP va ne pas voir les outfits tant que souvent j'ai pas fini de les faire. On vous l'a pas dit, mais on va faire, ben, 4. 4 looks comme pour l'automne, vu que ben l'été, c'est ça, l'été ça commence à finir là, fait que c'est ça qui se passe. Fait que les 3 looks, ben 4 looks qu'on va faire, le premier c'est un look plus casual. Après ça, je me rappelle tant pas qu'est-ce qu'on dit. Qu'on va faire, ah, oui. Je vais faire. Donc en premier c'est un look casual, après ça, casual chic. Ouais, après ça un chic et un outfit avec celui. Ouais, que ça c'est comme carte blanche. Fait que là je vais laisser la caméra du vlog à Frankie, fait qu'il va pouvoir... Je vais m'amuser. Ouais. Bon, on va commencer. En même temps, je découvre un peu les tiroirs, hein, puis ça va être drôle. Ok, j'aime fucking cette chemise-là. Ok, ce col roulé-là, je l'ai tellement vu trop souvent. So, c'est un non. Veux pas, mon but aujourd'hui, c'est d'avoir des outfits que Marie-Pierre ne va jamais... n'a jamais porté. Ok, j'aime cette jupe. Check it, c'est vraiment cute. Je l'ai jamais vu sur ma carte. So, on va se trouver un outfit avec. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver les pantalons en premier. Et après ça, je vais trouver les chandails. Comme ça, je vais déjà avoir une base d'inspiration. Ooh, damn. Je pense que c'est ta nouvelle paire de pantalons. Oui, c'est effectivement ta nouvelle paire de pantalons. Allô, bien enlever ça, checker. Franchement, Marie-Pierre. Mais je pense que ma chemise va être fucking cute avec ça. Il faudrait juste un chandail avec. Ok, ça, c'est avec mon look casual. Une fois un chandail. Moi, en premier outfit, vous avez ce pantalon. Le pantalon. Ce que j'aime, c'est que le petit corset ici, checkez-moi ça comme c'est cute. Ce petit chandail blanc de Betty. C'est un de mes chandails préférés. J'adore. C'est un peu crop top, mais j'adore ce chandail sur ma tête. Moi, je pense que ça peut être cute. Mais, okay, moi, j'adore les chokers. Je vais faire un choker après. C'est un outfit de fête. Je sais exactement ce que je vais faire avec la jupe. Je pense qu'elle non plus, elle a pas porté cette jupe. Ok, so, mon premier outfit, casual, les fesses. Yes! J'aime aller dans le fin fond des tiroirs MP et voir des trucs que j'ai jamais porté. Ok, j'adore aussi ce chandail-là. Marie qui fait très été. Est-ce qu'il va se mettre? Check it, elle est cute! Je pense que je vais aussi le mettre. J'aime ce pantalon. Mon outfit casual chic. So, un pour vos beaux petits pantalons bleus. Avec ce chandail, avec les épaules tout nues, que je trouve aussi très beau. Je m'en rappelle pas d'avoir vu MP avec celui-là. Avec un choker, ça va être beau. Et mon outfit chic, cette petite jupe. Vraiment adorable, que perso j'adore. Et c'est la première fois que je la vois. Je pense qu'elle est nouvelle aussi. MP le père, elle vient toujours d'acheter. Je vais lui sortir une paire de collants. Et ce beau chandail noir. Il me manque un outfit. Et il me faut quelque chose pour pop-up un peu. Je sais bien, je voulais accrocher. Bijou time! Ce bijou est vraiment adorable. Regardez. C'est comme une petite couronne. C'est la grand-maman à MP qui lui a donné. Bon. J'ai un choker. Ça c'est cute! Mon dieu! Ma fille, t'as bien des bijoux. Oh my godness! Ma fille a des montres! Wow! C'est une femme complètement changée. Je ne la reconnais pas. Oh, oui, je viens de trouver quelque chose. Un outfit de fête. Okay, là, c'est mon outfit un peu plus chic, casual. Ça, c'est la maman MP qui les a achetés. C'est tellement adorable. Checkez-moi ça. C'est tellement cute. Sérieux, je découvre des choses que je connaissais pas d'MP. Ok, pour mon deuxième, mon outfit genre casual chic, je voulais un choker. Si j'ai sorti ce choker, ça va être vraiment cute. J'ai remarqué qu'il y a une pierre et une montre. Et je me suis mis comme défi personnel de la mettre dans son truc. Hey, des petites boulettes comme ça. Pour l'endroit. Bon, outfit chic là. Chic. Chic. So, je m'étais mis comme défi que je mettais ce bracelet-là.
mais je vais aller quelque chose de plus intense. J'ai terminé mes outfits. J'ai hâte de voir la face à Malcolm. Je viens de réaliser que j'ai oublié de mettre les souliers. Franchement. On va mettre des souliers. Voilà! Maintenant, j'ai fini l'outfit, MP va les découvrir. Sérieux? Hein? Hein? Je Et ça, c'est suis... le troisième outfit. Ça, c'est le. Oh! Ça, là! Sérieux, hein? Je vois, je suis fière de cet outfit-là. J'étais à la base avec le choker. Quand j'ai vu le manteau long, j'étais comme ça fait très Frankie, j'aime ça. Ouais, j'ai mis un peu de Frankie dedans. Fait que lequel tu veux que j'essaye en premier? Ben, on y va en ordre. Bon, MP a laissé son premier outfit casual. Et sérieux, moi je suis fière de ça. Ok, mais là c'est quoi les critères que genre j'évalue? Attends, parce que là moi je vois pas encore là. Non, tu vois pas c'est encore. Quoi, c'est quoi les critères? D'évaluation, genre. Est-ce que, first, est-ce que tu le reporterais? Ok. Secondo, qu'est-ce que t'aimes moins? Qu'est-ce que t'aimes plus de outfit? Ok. 1, 2, 3, go! Oh! Oh my god! Oh! Oh! Ok. Oui, je. Ok. Je suis comme pas certaine. Certaine de. C'est parce que moi je trouve que les chemises sur moi ça me va pas bien. Mais celle-là, comment elle est placée, moi je trouve ça cute. Ok. Fait que là, si je le reporterais. Ouais. Je pense que je le reporterais, mais sans la chemise. Mais non, c'est juste les chemises en général. Ok. Mais en tout cas, moi j'approuve. Mais sinon, genre honnêtement, j'aime l'agencement du jeans avec les souliers comme ça. Je trouve ça quand même nice. Je suis pas sûre avec un crop top. Je pense que je mettrais genre un chandail que j'entrerais dedans. Ah, ok. Mais les jeans puis les souliers, j'aime vraiment ça. Ah, mais enlève la chemise? Ouais, ça tu vois, déjà j'aime mieux ça. Déjà, moi j'aime mieux ça. Ok, on va essayer quelque chose. C'est la caméra. On va essayer quelque chose? Ouais, on va essayer quelque chose. Ok. Bon, on a juste changé de manteau pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Et sérieux, ça donne une grande différence et c'est plus simple. J'aime vraiment mieux ça avec mon manteau vert qu'avec la chemise. Genre vraiment, mais c'est juste que moi, c'est pas toi, c'est les chemises. No worry. Mais ouais, non, j'aime vraiment ça comme ça. Damn! Ok, je fais-tu une cote genre sur 5 sur 10? Ouais, vas-y. Sur 5 ou sur 10? Sur 10. Sur 10? Avec la chemise ou avec le manteau? Avec le manteau. Avec le manteau, je pense que je ferais genre un comme. Genre un 8.5. Deuxième outfit. Et. Ready? Il y a un coat aussi, mais on va le mettre après. C'est juste qu'elle puisse le voir avec et sans coat. J'aime ça. Oh! Damn! Ok, j'aime vraiment ça. J'aime on va reculer. Ça. Bon, on va essayer avec le coat? Oui! Bon, mais à date, celui-là, je pense que c'est mon préféré des deux. Ok, genre l'air de. Oh! Damn! Oh! Oh. Oh. J'approuve! Got something else. Ok, avec le coat. Pourquoi j'ai l'air de toi? Ok, genre c'est quoi l'affaire là? Choker, mon dieu. Bon, en tout cas, on sait c'est quoi le look à Frankie, hein? C'est choker. Ben, je mets pas une montre. Vas-y, moi j'ai une montre, tout le monde. Genre, allô, j'ai une businesswoman. Je pense plus qu'elle fonctionne d'eau. Non, je pense clairement pas. Je sais même pas si elle est stylisée. Damn. Bon, first, je reporterai clairement ce outfit là. Yes! Genre, vraiment cute avec et sans manteau, j'aime ça. C'est parce que le point négatif du outfit, c'est le choker. Parce que les chokers, ça fait pas tant moi, honnêtement. Okay. C'est juste ça. Je vais l'enlever juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Mais tu pourrais mettre ton rapporteur 1 de... Je pourrais mettre mon rapporteur d'angle, ça serait drôle. Mon rapporteur d'angle. Oui. Je vais mettre mon rapporteur d'angle dans mon cou. On okay, dirait une vois? Femme d'affaires, sérieux? Mais tu vois, avec le retourneur de temps et non le rapporteur. J'aime vraiment ça pour vrai. Genre honnêtement, je mettrais même ça pour aller à l'école. Yes! Genre, puis avec et sans. Genre, je trouve ça vraiment cute. Ah, sérieux, genre, Booty, oh. Booty. Mais sérieux, moi, je trouve que les boucles d'oreilles sont genre parfaites. Ils sont pas trop intenses. Non, c'est ça, parce que moi, j'ai l'habitude de mettre comme des anneaux, là. Mais ce que j'avais peur avec le choker, ça soit trop intense. La note? Sur 10, ben là, je pense que c'est comme un... Je vais y aller avec un 9.5 parce que... Damn! 9.5, c'est genre à cause du choker. Mais attends, même là, moi, je parle du résultat final. Ben, écoute, je vais quand même y aller avec un 9.5. Ok. C'est quand même... Cool. C'est quand même hot, là. C'est quand même hot. Damn. Bon,
dernier outfit, MP? Non, c'est pas le dernier outfit, mais c'est l'outfit chic. Oui, j'ai hâte. Moi, j'approuve. Oh my god! Yo, t'es sexe avec ça, en fait, là. Ok, c'est... Ah, avec les boucles d'oreilles! Yo, je sais. C'est vraiment beau. Ah, même avec les petites bottes. J'avais comme peur, c'est genre, ah, ça va-tu être comme... Mais... C'est pas des bottes à talons, mais comme... Je sais que tu mets souvent ce manteau-là en même temps. Je trouve qu'il pourrait bien aller avec. Ouais. Ok, hey, t'as-tu vu ça, la passe du manteau, comment c'était genre fluide et naturel? Yo. Et puis avec le bracelet de ma grand-mère. Genre, je pense que j'irai voir Casse-Noisette demain. J'irais voir genre Non, mais avec le vert, je trouve ça beau, t'aimes pas. Non, mais non, j'aime ça. Mais de toute façon, je trouve que le vert va très bien avec le ligné, genre. Est-ce que tu reporterais cet outfit? Clairement. Définitivement, oui. Point fort. Honnêtement, je pense que c'est le premier outfit à date que j'ai rien à dire. Genre, contre. Contre, mon dieu, ouais, nice! Après, attends, je vais enlever avec le manteau parce que originalement il était pas avec le manteau. Mais là, je pense que. Honnêtement, là, c'est le. Non, j'ai rien à dire. Genre, je serais curieuse de l'essayer avec des bottes à talons, mais même comme ça, je me sentirais pas mal d'aller voir genre un show puis faire comme ah, ok, ouais, j'ai pas des bottes à talons. Donc, sérieux, c'est vraiment cute. Je pense que c'est mon outfit préféré à date. Yes! Fait que, non, c'est ça, ben j'ai rien de. Ok, sur 10. Ben, je pense que je vais mettre 10 là. Mais qui est très excité derrière la caméra. Je pense que j'irai avec un 10. Sérieux, moi j'approuve. Oui, parce que c'est vraiment cute. Fais pas mes fesses. Puis avec les boucles d'oreilles, honnêtement, je sais pas pourquoi je mets pas ces boucles d'oreilles là. Mais ils sont fucking belles. On peut-tu parler à quel point ils sont genre fucking belles? Moi j'étais comme ça, les mets pas. Ça les veut pas, je les veux. Je les avais achetés genre dans une petite boutique vraiment pas rapport en plus qui m'avait contacté sur Instagram. Genre. Anecdote d'NP. De quoi? Les anecdotes d'NP. Oh my god, fait que je suis contente. Oui, fait que ça c'est mon outfit Marie-Pierre qui va à Casse-Noisette. Bon, dernier outfit, je suis moins fière de lui, mais quand même. On va l'essayer quand même. Je trouve ça quand même pas si pire. Genre, je trouve ça quand même cute. Même avec les bottes, là, t'avais dit que t'étais pas certain. Là. Je trouve ça quand même cute. Ah, c'est donc avec le manteau. Avec le manteau, oui, on va essayer avec le manteau du deuxième outfit. Oh, c'est nice. Yeah, c'est très nice. Ouais, non, j'aime ça. J'aime ça. Je suis curieuse de le mettre au complet dans le pantalon. Je pense que honnêtement, là, ça serait le genre d'outfit aussi que je porterais pour aller à l'école. Ok. Ouais, vraiment. Puis avec les boucles d'oreilles. Qui viennent de Azulite. Yo, j'avais pas le choix. Mais au moins, t'es boucles d'Azulite dans un de tes outfits. J'ai un code promo dans la barre d'infos pour du shipping gratuit. Il existe encore? MP Shipping, oui. Ouais, ok. Yeah, allez voir. Tu reporterais cet outfit? Oui, je reporterais cet outfit. Avantage, c'est que j'avais peur de la combinaison du chandail baggy avec le pantalon baggy. J'avais peur que ça soit trop. Mais c'est vraiment cute. Puis avec les talons hauts, on dirait que ça. Ces talons de chez 1861. Voilà. Mais c'est pas un aussi gros coup de cœur que le précédent. L'outfit chic, ouais. Je pense que je mettrais genre 8.75 pour les outfits. Attends, mais le point négatif, t'en as-tu? Ben, le point négatif, c'est que genre, j'essaierais peut-être des bottes noires pour que ça fitte plus avec genre. Le noir du chandail puis le noir du manteau. Ok. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, qu'est-ce qu'on fait? Un thumbs up! Yes. Et vous abonner à la chaîne. Yes. Et allez commenter, c'est quoi votre outfit préféré? Il y a toujours les codes promo aussi. Oui! Mais c'est parce qu'en fait, je sais pas si on l'a dit, je sais pas si tu l'as dit dans la vidéo, là, mais Azulite, c'est la compagnie de Frankie et de sa femme, oui. Natacha. Fait que, allez voir, il y a. Ben, tu te gardes, on va en profiter, fais donc une petite promo. Mais Azulite, c'est des produits évidemment faits maison. On essaie le plus possible d'être naturel et non c'est yeah. Puis aussi, ben, Frankie a une chaîne YouTube. Yeah, ben, que je commence, mais je recommence à mettre vie à cette chaîne. D'ailleurs, on va faire une vidéo ensemble, c'est juste que là. À la journée qu'on la filme en ce moment, on n'aura pas le temps de filmer sa vidéo. So, on va essayer d'en refaire une autre. Ben oui, fait que soyez à l'affût, allez vous abonner à sa chaîne pour voir ça. Fait que sur ce, ben, on se dit à une prochaine vidéo. Bye!